Donc pendant l'occupation, au moment où les rebelles étaient là, donc nous on a profité, notamment comme, quand il faisait nuit, pour faire sortir les manuscrits petit à petit, on les met dans des cantines, dans des sacs. On vient, on ramasse tout ce qu'on a pu regrouper la nuit, on les met dans les 4x4 et puis on prend la route sur Bamako. Donc c'est comme cela qu'on a pu sauver tous les manuscrits qui sont là. Nous, notre combat, c'est au nom de l'islam, c'est pas arabe ou touareg, noir ou blanc, c'est au nom de l'islam. Agao, il n'était pas caché pour tout le monde que l'insécurité était grandissante et que c'était des groupes armés qui revendiquaient qu'il y avait des velléités d'indépendance. Et certains qui, en fait, ne font que propager la terreur et qui sont là quand même depuis longtemps, depuis les années 2000 et 2002. Donc, c'est eux qui sont en fait venus à Gao. Donc, du coup, l'armée s'est repliée, l'administration n'était pas là. Nous sommes nés ici, nous sommes tous de la région de Gao. Parce qu'en fait, la résistance a connu toutes les couches et toutes les communautés. Hein. Warna barai gure gandi atlay brahim pullo ne gola gando warma isa idris samayga gawo chingango wonti gala bare fun zari ko gashale warshe wori tonjora prend départ. Nous avons peur, les femmes ne peuvent pas sortir face au mujaou, la voix de la femme ne devrait pas sortir. Pour moi, je suis sur l'une des radios de la place qui s'appelle la radio Voix des Jeunes. Donc, mes émissions étaient interdites à la radio. C'était une question de vie ou de mort. Je préfère être malien, je suis malien. Point barre. Il y a eu des résistants touareg ici à Gao, il y a eu des résistants arabes, il y a eu des résistants songo, il y en a eu des peuls, des bella. C'était destiné contre d'abord les djihadistes. C'est avec nos briques, nos bois, nos baissés, on fait notre combat. Le combat, ce n'est pas l'arme, mais c'est le cœur et l'engagement, mort ou vivant, pour la liberté. Chaque fois que nous voyons que les mouvements des jeunes se mettent dans la rue, nous, les mamans, nous sortons avec ces mouvements des jeunes pour les appuyer. C'était une logique pour nous de dire non à l'occupation et de dire non au manque de liberté qu'on est en train de nous imposer. Depuis à l'indépendance, le Nord n'a connu que la misère, la galère, la haine et la souffrance. Trop de conflits ici, ici au nord du Mali, Bahanga, Fagaga, Azawad, Emenela, Amsardine, Moudjahidine. On en a assez, il faut tout stopper.